Voilà. De toute façon, je j'irai pas plus haut que ça. Hein. Je vous dis pas plus que 2 usines, ça. Enfin, que 10 usines. Après, c'est vraiment overkill. Après, de toute façon, sinon les entrées suivent pas. Ça fait des embouteillages. Ça galère. Ok. Et là, l'idée. C'est de laisser au moins 2, je pense. Arrivé, hein. Et là, hop, voilà. Puis ben maintenant, ben, petite usine d'assemblage, quoi. Enfin, petite. Méga usine d'assemblage. Alors, je sais, hein, enfin, ceux qui connaissent pas le jeu doivent se dire, mais il va produire qu'un cas, c'est rien. Non, non, ces pièces-là, on va s'en servir énormément. On va s'en servir énormément. Il me faut au moins, je dirais au moins 100K pour bien finir le jeu. Donc, j'arrêtez-vous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il manque un étage, 10. Ok. Assembleur. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, ok. Et donc on voit, hein, la forme qui sort, c'est la forme conforme. À ce qui nous est demandé. Est-ce que j'ai la place en bas? Je vais pas avoir la place en bas. Ou alors si, mais il va falloir que je triche. Ouais, je trichais, c'est pas grave. Enfin, je trichais. C'est pas vraiment tricher, c'est juste que je. D'habitude, j'essaye à ce que tout soit bien uniformisé, quoi. Mais là, le dernier truc, je vais devoir le tordre un petit peu. Ah, j'ai. Décidément, un peu. Ok, et là. Voilà, je vais faire la sortie comme ça. Comme j'avais fait sur une autre machine. Et merde. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir une pièce qui va être un petit peu chelou. Voilà. Les voilà mes pièces. Donc maintenant, il faut que j'arrive à les ramener au centre. Ça va pas être la même. J'ai juste le temps de faire ça avec vous. Même si j'ai croisé des machines entre deux. En douter. Je vais venir là.
Comment je vais passer là? Je peux pas passer par là. Faut que je passe par le haut de cette machine là. J'ai coupé là hein, parce que je. Je veux pas perdre des pièces inutilement, des pièces produites. J'ai bien fait de viser plus haut. Ok. Voilà. Et voilà le travail. Ah oui, d'accord, ok. La forme bizarre elle est là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle va être absorbée et puis c'est tout. Parce que j'ai une pièce qui est partie dans une autre machine alors qu'elle aurait pas dû. Mais voilà. Bon, en vrai, il faudrait que je fasse passer un deuxième tuyau. Non, pas comme ça, juste comme ça. C'est lui qui vient comme ça, voilà. Ouais, on les sent que les sorties, elles commencent à manquer, hein. Sachant qu'il y a des machines. En vrai, il y a des machines que je peux dégager, hein, je pense. On va les laisser pour être sûr, quoi, mais si jamais on a besoin, on dégagera la sortie des sphères, des carrés et des trucs normaux là. Pareil là-bas. Là-bas, ça a saturé en vrai. En vrai, faudrait tirer notre ligne là. En vrai, c'est ce qu'on va être obligé de faire. On va devoir tirer notre ligne. Ne serait-ce que temporairement, en fait. On va devoir peut-être le faire que temporairement, mais... Et vu que j'aime pas que ça se mélange comme ça inutilement, je remettrai après le... Quand ça se sera un petit peu évacué tout ça. Alors ça c'est simple, il faut juste que les champignons verts là, ça s'évacue un petit peu, que le flux devienne inconstant. Ah quoi, Clot, il a l'air déjà d'être bien. Enfin de. Bon, on va laisser ça comme ça pour moi. Eh ben ça y est, on a le copier-coller. Ah enfin. Enfin, on a le copier-coller. Et donc les patrons, vous voyez, ils restent là. Alors, cette forme-là s'appelle le patron. Et en fait, il sert à ça, en fait. Il sert à. Alors là, vous voyez par exemple, ça c'est pas mal embouteillé. Je vais doubler la sortie.
pour que ça puisse sortir un petit peu plus vite. Voilà. Belle usine, hein, mine de rien. Alors, je vais le marquer qu'ici. Alors, si vous jouez avec la version gratuite sur comment? Sur navigateur, vous avez le droit de mettre que deux slots comme ça. Si vous achetez la version payante, qui est à moins de 5 euros sur Steam, donc franchement, il vaut le coup hein, pour moins de 5 euros, vous pouvez mettre autant de points que vous voulez sur la carte. Hein. Là, si je veux en mettre un troisième, je peux. Honnêtement, achetez le jeu. S'il vous plaît, achetez ce jeu et faites-le, il est super cool. Bon, il va falloir qu'on s'attaque à la prochaine. Il va falloir des carrés, du violet et des cercles blancs. On va devoir refaire une production de cercles blancs. On va devoir trouver un spot pour ça. On va. Toc, toc, toc. Je suis en train de regarder déjà, mais je pense que. Alors là, non, parce que je vois qu'il y a une étoile là, puis je sais que je vais avoir besoin d'étoiles blanches plus tard, donc ici, je produirai mes étoiles blanches. Bah, ici, j'ai une sphère, j'ai mes trois couleurs, j'ai un carré, et pour le violet, c'est bleu et rouge, hein. C'est ça, c'est bleu et rouge. On va faire ça. Je vais produire mon blanc avec ça. Mes sphères ici. Oh, même pas. Je vais produire mon blanc ici. J'ai ce qu'il faut. Les sphères. Et après ici, je mélange le bleu, le rouge. Et je fais mes carrés violets. Et on peut faire ce truc-là. Qui est pour le mélange de peinture. Très bien. Bah écoutez. Il est l'heure pour moi de mettre fin à cette session de tournage. J'espère que cette première session de tournage vous aura plu. On va se retrouver à la suite, hein, je pense. Mais pour moi, ce sera le lendemain. Et sur ce, bah, j'espère que cette vidéo... enfin, oui, j'espère que cette série vous plaît. Et puis, bah, je vous dis rendez-vous à tout de suite pour vous. À demain pour moi. Oui, c'est bon, c'est lancé. Excusez-moi, donc nous sommes repartis. Pourquoi le son est si bas? Non, c'est juste que la musique commence. Alors, il s'est passé 2-3 trucs. Il s'est passé plusieurs choses en fait. J'ai continué un petit peu à jouer. On va se recentrer un petit peu et on va. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on a toujours cette quête-là, hein, j'ai absolument pas progressé là-dessus. Les formes rouges, là, c'est bon, normalement j'en ai plus besoin, mais je continue à les faire arriver quand même. J'ai ici, dans le centre, vous voyez déjà, fait un premier nettoyage. Tout ce dont je n'ai plus besoin, ce dont je pense ne plus avoir besoin. Je l'ai supprimé et au pire, s'il m'en manque, je pourrais recréer les usines assez simplement. On va commencer par ce carré violet. Voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs points qui sont partis. On va les voir. En tout cas, pour le moment, on va voir les carrés mauves. C'est ça. Voilà. Hop, les carrés mauves qui sont ici. Et donc, vous voyez que la pièce qu'on me demande, je l'ai créée ici. Mais on va voir ensemble sa création. Je vais juste la lancer. Mais vous voyez que c'est exactement la forme qui m'est demandée. Hop, voilà. Et elle va partir vers le centre. Donc, comment je procède? C'est très simple. Déjà, ici, hop, on va commencer par la gauche.
J'ai tout simplement donc trois couleurs, hein, du rouge, du bleu, du vert, pour créer du blanc. Puis avec du blanc et une sphère et des sphères, bah, je crée des sphères blanches. Et donc ça arrive par là. Donc ici, je fais un petit escargot avec voilà, avec des tunnels parce qu'il faut que cette pièce-là arrive à droite pour être au-dessus de mes carrés mauves. Et pour mes carrés mauves, eh ben ici, j'ai un mélangeur de couleurs rouge et bleu pour faire du violet. Et j'ai des carrés qui arrivent. D'ailleurs, hop, je devais faire ça. Voilà, parce que j'ai un tunnel mal optimisé ici. Je vais y arriver. Voilà. Et donc voilà, j'ai mes carrés mauves qui arrivent comme ça. Et donc ce sont des usines de disques que j'ai créées à chaque fois. Bon, voilà. En soi, voilà. Bon, je pense qu'un seul canal suffirait, mais voilà. Bon, ensuite, on va passer au shuriken bleu et blanc là. Donc pour ça, j'ai créé, enfin les quadrilatères, je veux dire, les quadrilatères bleus. Donc pour ça, alors j'ai créé une usine qui est assez loin. Si je dézoome, voilà, il y a un petit peu de chemin avant d'arriver au centre. Et donc c'est cette usine-là qui me produit cette forme-là. Donc on va la voir ensemble rapidement pendant que ma mission se fait, hein. Donc hop, voilà, donc j'ai du bleu, du rouge, du vert qui partent. Donc qui partent dans cette couleur à faire du jaune. Pourquoi du jaune? Oui, en fait, oui, ok. Donc, et puis j'ai le bleu qui est là. Encore pour faire du blanc. Donc en fait, c'est encore une usine à faire des sphères blanches, tout ça. Donc j'utilise les trois couleurs. Et ici, j'ai simplement un atelier de peinture de shuriken. De shuriken, pas les shuriken, des quadrilatères bleus. Parce que voilà, chaque petit morceau, c'est un petit quadrilatère, mais c'est pas un carré. Enfin voilà. Et donc ici, je les extrais, je les redécoupe comme pour l'usine de quadrilatère rouge. D'ailleurs, je viens de voir que. Voilà. Donc voilà. Donc encore une fois, hein, en fait, j'ai que des demi-formes. Donc je suis obligé de les découper pour pouvoir avoir la forme dont j'ai besoin. Je la peins en bleu. Et ensuite, donc, je remélange. Et là, je fais. Alors, résultat, je suis obligé de faire l'inverse, mais. Je fais passer les sphères blanches à gauche pour qu'elles soient en dessous de la pièce et les quadrilatères bleus au-dessus pour qu'elles soient au-dessus de la pièce. Et j'ai bien la forme ici qui m'est demandée là. Donc pareil, on va la lancer. Voilà. Et on va regarder à la suivante. Donc on va faire ça. Le shuriken rouge et jaune. Donc encore une fois, hein, toujours même principe. C'est toujours les mêmes machines, hein. Maintenant, vous allez voir, on a les mélangeurs de peinture, les ateliers de peinture et les assembleurs. Voilà, les usines d'assemblage. Donc là, pareil, hein, en fait, je récupère des shurikens là, que je peins en rouge. Donc ici, voilà, j'extrais cette source de rouge et ça va dans l'atelier de peinture. Et ça va vers le fabricateur là. Et ici, donc je mélange. Donc j'ai un mélangeur de peinture pour du vert et du rouge, ce qui me donne du jaune. Et en mélangeant le jaune avec des sphères, j'obtiens des sphères jaunes. Je remélange le tout avec donc les shurikens rouges à gauche et les sphères jaunes à droite. Et ici, j'ai bien mes formes, les formes qui me sont demandées. Et donc ça, pareil, j'ai déjà fait les chemins pour aller au centre. Donc, on envoie. Bien. Et il nous reste ce logo qui me fait penser en fait un petit peu au logo d'Umbrella. C'est pour ça que vous savez voilà, des Resident Evil. Alors c'est pas fini, parce qu'il me manque une machine.
Il me manque une machine qu'on débloquera un petit peu plus tard. Mais déjà, je sais pas trop si on va pas s'y attarder un peu après. Mais en fait, pour faire simple, encore une fois, une usine à faire des sœurs blanches. On va énormément faire de ces usines à sœurs blanches. Hein. On en a énormément besoin dans le jeu. Et je viens de me rendre compte qu'il me faut des shurikens verts. Ouais, les shurikens verts sont là. Ok. Et il va falloir qu'on fasse les shurikens verts. Donc on va faire ça rapidement. Donc il me faut simplement. Bah il va juste me falloir un atelier de peinture en vrai. Donc on va prendre un atelier de peinture. On va prendre celui-là. Il est très bien celui-là. Donc j'ai. Ah oui, je vous ai pas montré, je crois, l'outil de copie encore. Donc j'ai simplement sélectionné le... Comment? La zone que je veux copier, et j'ai appuyé sur C pour copier. Et là, vous voyez que j'ai la sélection. Si j'appuie sur Q ou échappe, je vais la désélectionner. Et si j'appuie sur V, hop, la dernière sélection réapparaît. Donc voilà, et il me faut donc ce truc-là. Et on va partir sur le principe. Non, on va partir comme ça, on va partir comme ça. Ok. Et donc là, je peux faire ça comme ça. Wow, c'est bien comme ça. Hop. Et ici, ah, il y en a peu, mais je vais pouvoir quand même les extraire. Mince, c'est pas ce que je voulais. Je vais appuyer sur R. Va mettre un petit chemin comme ça. Et voilà, là j'ai mes shurikens verts. Donc on est d'accord, hein, si je regarde, voilà. Donc il va falloir que je redécoupe en fait mes sphères blanches et rouges pour pouvoir créer cette forme. Et après, assembler mon shuriken vert par-dessus. Mon shuriken vert, il est là. Donc là, ce qu'il me faut en fait, ce sont des ateliers de découpe pour mes sphères blanches qui sortent d'ici et mes sphères rouges qui sortent d'ici. Sauf que, alors je pourrais utiliser les découpeurs classiques, mais en fait, je vais attendre d'avoir les découpeurs, des découpeurs avancés, des découpeurs beaucoup plus avancés, qui me permettent en fait d'avoir de découper une forme en quatre directement et d'avoir les quatre parties de la forme. Et ça va me faciliter énormément le boulot. Donc on va attendre ça en fait. Donc voilà, donc ici, il me faut, donc voilà, donc ici c'est le prochain projet qui sera en cours. En attendant, je sais que le prochain nous débloque les tunnels de niveau 2, mais je sais pas si ça nous débloque aussi le découpeur qu'il nous faut. Alors j'hésite aussi à couper cette partie-là. Je crois qu'on n'en aura plus besoin, mais j'ai un doute. 31 000, honnêtement j'ai un doute qu'on en ait encore besoin, donc j'aurais envie de les couper. Mais je pense qu'on va y laisser encore un petit peu. Bon voilà, donc après on a donc nos carrés violets là, ça arrive. Hein. C'est. Voilà, on a un débit constant. Enfin constant. Pas. On a un petit peu de vide, mais ça le fait. J'ai doublé la sortie. Ça va.
que je vois que ça galère un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Question, si je fais ça. Ok, les tunnels. Ah d'accord, ok. Bon. Alors on va devoir des... Voilà, on va devoir encore faire une autre machine. Juste gagner un petit peu de... Ok. Bon allez, j'ai un peu plus qu'un flux constant, donc ça devrait le faire. Ok, donc il va falloir qu'on crée cette... Ah d'accord, ok. Et donc là, on va voir le découpeur. Donc, il va nous falloir des sphères, du vert, du rouge. Si possible, pas trop loin. J'aurai tout ce qu'il faut ici. Et c'est pas loin de l'usine en plus, donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, j'ai dû... Ouais, bah c'est bon, j'ai... Écoutez, j'ai quasiment tout en fait là, à portée, là. Ok. Donc on va faire ça comme ça. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, il me faut un atelier de peinture. Ouais, j'en ai un petit là, mais il va nous en falloir un gros. Voilà, celui-là. Hop. Ok. Donc, ouais, on va... d'abord, on va d'abord s'occuper des rouges. Ce sera complètement arbitraire, mais c'est voilà. Bah, écoutez, comme ça me paraît pas mal. C'est très bien comme ça. La sortie vers le haut. Ouais, bon, oui, bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça, c'est pas très grave. Ça, pareil, on va faire une sortie vers la gauche. Alors, et on va... Comme ça, non, un petit peu au-dessus. On va faire ça comme ça. Et il manque un... que j'ai pas copié. Voilà. On va faire... petit tunnel ici. Donc, mon verre arrive ici. Zut. Voilà. Là-bas, faut que j'extraie mes sphères.
Donc, à partir de ce principe-là. Donc, par là, ce seront mes sphères qui arriveront et qui rentreront ici, tout simplement. Et ici, j'ai mes rouges, donc ok. Ah non, on va pas procéder comme ça. Alors, ces tunnels-là sont bien. C'est juste, on va partir sur un autre principe. On va faire 4 tunnels. Et on va exploiter encore plus de chemin. Alors, la machine que je suis en train de créer, elle est vraiment temporaire, hein. Elle ne servira que pour... là, que vraiment que pour faire cette pièce-là. Et après, une fois qu'on a atteint l'objectif, on la supprimera. Parce qu'elle ne servira plus à rien. Ah, on a une amélioration. On va aller la chercher. Ok. Ici, il me manque un chemin. Évidemment. Les extracteurs. Et puis on va quand même mettre un petit échangeur là, histoire que... Ok. Alors, mon amélioration c'est... Ah, alors attendez. Alors on va attendre un petit peu avant de le prendre. Ah bah non, c'est bon. Je suis con, on a passé le niveau, donc c'est bon. Ok, et on aura donc cette forme-là à créer, et il va nous falloir des shurikens... Enfin des... Pas des shurikens, des quadrilatères violets. Donc là, ce sera une autre usine à créer. Mais pour le moment, on va se concentrer vraiment sur cette forme-là. Et là, il va nous falloir des usines de découpage qui vont être un petit peu violentes. Alors, il va nous falloir... que je dise pas de bêtises. La partie de gauche, il faut que je la rotte. La route vers la gauche et la partie de droite vers la droite, c'est ça. Ok, ensuite ce qui me permet de faire, donc j'utilise ça, je découpe. Est-ce que je serais pas... Ouais, non, on va faire ça comme ça. Est-ce que c'est l'optimum? Attendez, excusez-moi, je mets juste en pause 2 minutes l'enregistrement et je vous reprends. Ok, excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, je disais ici, j'ai 2 demi-sphères bas qui arrivent. Donc celle de gauche, je dois la faire pivoter dans le sens antihoraire, comme ça. Et celui-là doit arriver comme ça, tout simplement. Et on fait partir ça vers la droite. Hop. Et voilà mes ateliers de découpe. Donc pour ces sphères.
Ok, on va en faire ouais, une dizaine aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, ça sert à rien. Celui-là, c'était juste pour la copie. Et on va. Alors, je vais prévoir éventuellement de doubler les outputs. Ok. Donc là, je mets sphère qui arrive. Là aussi, mais les vertes et les rouges, donc. Et en sortie, j'ai bien des quarts de cercle comme ça. Ok. Ensuite, il me faut un assembleur. Et il va pas falloir que je me trompe dans l'ordre. Il faut que les rouges viennent au-dessus. Donc. C'est un assembleur, ça? Non, c'est un mélangeur de peinture. Là-bas, c'est un. Donc, ok. Alors, j'ai dit. Ah, zut. Les verres en dessous. Donc, comme ça me paraît pas mal. Il faut que les rouges arrivent à droite. Pareil, on va refaire un petit escargot là de avec les tunnels. Pourquoi? Ah merde. D'accord, ok. Non, excusez-moi, c'est moi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Voilà, c'est quand même plus efficace. Donc, on va partir comme ça. Ça, c'est la partie en bas. Ah, oui, bon, ok. Bon, bah, je doublerai pas les sorties, c'est pas grave. Ok. Maintenant, l'objectif, c'est d'en avoir une grosse quantité. Pour la balancer d'un seul coup. Alors, on va pas la mettre là. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va nous. Ah non, c'est le lecteur de débit. Ah, c'est pas encore le découpeur qu'il me faut. Ah bon, c'est pas grave. Bon, on va laisser le tunnel se remplir là.
S'il faut, on peut remplir un troisième, hein, si c'est pas suffisant. On va attendre que ça sature pour être sûr. Mais en fait, il faut réussir à avoir un flux qui rentre et atteindre les 8 par seconde qui rentrent. Là est la difficulté. Hop, on essaye. On est à... C'est bon. Et maintenant, c'est plus utile. Ok. Ah, je les ai pas lancés les... On les a pas vus. Je crois qu'on les a pas vus ces pièces-là ensemble. Si, on les a vus, les shurikens rouges et les sphères jaunes. Bah, je les ai pas lancés. J'ai oublié de les lancer, je suis désolé. Autant pour moi. C'est bête, on aurait pu gagner du temps. J'ai oublié de les lancer, tout bêtement. Et comme je vous dis, cette machine-là, bah, on va la supprimer. Elle sert à rien. Elle sert plus à rien maintenant. Vingt-trois machines quand même. On a balancé 1023 machines. Même un peu plus que ça parce que il en restait encore un petit peu. Ok. Donc eh bien, il va falloir qu'on attende les 10K de. Bon. Après, je pourrais le faire à l'ancienne, hein, le... Mais je préfère vraiment attendre pour comment? Pour les... Hop. Voilà, pour ces pièces-là. Je pourrais faire des découpeurs. Voilà, je découpe en deux, puis je fais un quart de tour et je coupe encore en deux. Mais pas grand intérêt en vrai. Autant avoir le découpeur x4 et puis faire tout de suite un assemblage, quoi. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc on va juste attendre ça. Et normalement... Non, et même pas encore, c'est le stockage qu'on va avoir. Alors le stockage va être sympa. Le stockage, ça va être assez utile. En attendant, on avait les shurikens violets, on peut se concentrer là-dessus. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Alors le violet, c'est du rouge et du bleu. Donc il me faut... Non, c'est trop petit ça. Ça, c'est beaucoup trop petit. Il va encore me falloir des sœurs blanches surtout. Après, je suis bête, mais... Je peux importer du bleu là et puis transformer mes... Là, j'ai ce qu'il faut. Ici, j'ai ce qu'il faut. Donc, on va faire ça. Alors, premièrement, on va reprendre l'atelier de découpe. Cet atelier de découpe là. Bon, je vais copier des machines qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. On va d'abord
Ça va, là j'aurais. Ouais, puis je vais avoir aussi de quoi faire les sphères blanches aussi. Donc, est-ce que j'ai les sphères à proximité? J'ai pas de sphères à proximité. Alors, ça c'est un petit peu ennuyeux, mais. L'important, c'est déjà que je fasse les shurikens violets là. Après, pour les sphères blanches, je me débrouillerai. Je les prendrai ailleurs ou. On va faire ça comme ça. Donc, déjà, on va extraire ça. On va mettre ça là comme ça. Donc ça, ce sont des machines que j'ai copiées qui sont pas utiles. Et donc voilà, on a nos quadrilatères. On va déjà copier notre atelier de peinture. Je vais aussi tout de suite le marquer. Marquer mauve parce que c'est. On gagne un temps monstrueux quand même avec cette option de copie. Alors je continue à produire des patrons hein, parce que je sais que. Voilà, hein, c'est. Ah, tiens. Que vois-je? Mais oui. Hop, c'est pas raccordé ici. On peut produire davantage. Bon, après, voilà, hein, ça, ce sont les rouges, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus utile. Qu'en soit. Je sais pas si j'en aurai encore l'utilité, mais on va continuer à en produire un petit peu quand même. Ok, donc ça c'est bon. Et il me manque un mélangeur de peinture pour pouvoir après mélanger le rouge et le vert. Et puis hop, on a du violet. Après, il me faut des sœurs blanches. Donc. On va prendre ici le mélangeur de peinture. Et ce sont les quadrilatères mauves. Quel con. Mais je vais y arriver, oui! C'est pas possible ça. Chaque fois, ma souris elle dérape au moment où je clique. Là, je le veux là, précisément ici. Ma souris comme ça. Voilà. Là, il est bien placé. Parce que comme ça, ma sortie, je peux la raccorder comme ça. Ok. Donc j'ai le vert, j'ai le rouge, tout va bien.
faire ça comme ça. Déjà le rouge. Ok. Ouais, on va prévoir, voilà quoi. On va prévoir la max. Alors, peut-être que je fais un petit peu en overkill, hein, les trucs, les extracteurs. Peut-être que la manière dont je procède, c'est vraiment overkill, mais au moins, je suis sûr de que déjà à mes sources, en fait, je suis pas en pénurie, quoi. Je suis un boulet. Du rouge et du bleu, pourquoi j'ai dit vert tout à l'heure? Bon, c'est pas grave, j'ai produit des shurikens jaunes alors qu'ils me sont inutiles, c'est pas grave. Vous avez dû le hurler. C'est pas grave, j'ai du bleu là. On va le sortir par là.